It's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry, it's me. On y va? Ma passion pour la musique. Dans ma famille, on faisait souvent la fête. On chantait, on dansait. Il n'y avait pas une soirée ou un repas sans musique. Et on me demandait tout le temps de chanter. Donc je pense que ça peut venir de là. Oui, je pense que ça peut venir de là. En tout cas, j'ai cette passion, j'ai cette flamme en moi. Et elle fait partie de mon quotidien. Et ça me rend heureuse. J'ai démarré dans les concours de chant, où on découvre la scène, où on découvre le micro, où on découvre l'équipe technique, le track. Ouais, j'ai fait beaucoup de concours de chant, dont le dernier c'était The Voice sur TF1. Cette année c'était la saison 7. J'ai rencontré des musiciens. J'ai rencontré des musiciens avec qui on a fait des lives. Beaucoup de live et beaucoup de studios aussi. Et puis j'ai eu le plaisir de goûter au théâtre. La dernière pièce, c'était Pas sur la bouche de Maurice Yvain, qu'on a fait à Genève. Et je jouais le rôle de Audrey Toutou. Et c'était super cool. Mes influences musicales. Je dirais plutôt que c'est des coups de cœur. Il y a Michael Jackson, il y a Stevie Wonder, il y a Janis Joplin. J'aime bien la puissance de Alanis Morissette, de Evanescence. Et si je dois choisir une chanson, juste une, c'est très difficile, mais je dirais Earth Song de Michael Jackson. J'ai pas de lieu précis, mais j'aime l'énergie et l'euphorie des grosses scènes comme les scènes de festival. Et puis j'aime bien aussi les petites scènes intimistes où on est vraiment très proche du public, où on a cet échange direct avec le public. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle définit bien la musique. Je trouve qu'on découvre, donc c'est la découverte, on est dans la découverte d'artistes, on est dans la découverte de nouveaux covers. C'est aussi un partage, on partage nos idées, on partage nos coups de cœur, et c'est aussi l'échange, car pour moi la musique c'est ça. Alors pour me contacter, ça sera sur les réseaux sociaux. On a YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Alors je suis en phase d'écriture de mon album avec Julien Michael Greco, qui est compositeur avec qui je travaille. À côté de ça, j'écris des chansons en arménien, car je suis arménienne et que ça me tient à cœur. Et puis, je fais aussi des covers dans ce lieu, ici, à l'Atelier des Arts à Marseille, que je poste sur YouTube. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement.